Bonjour à toutes et à tous, bon lundi matin et bon réveil. On se retrouve pour cet épisode 4 de The Last of Us que je termine à l'instant. Je vous enregistre la critique à chaud avant le live de mercredi soir, débriefing 100% spoilers avec mes invités. Ben, après l'épisode de la semaine dernière qui m'a fortement déplu, que je considère comme hors sujet, enfin on revient à du copier-coller comme les deux premiers épisodes. Certes, sans originalité, on peut se poser l'intérêt de la série pour le moment, puisque en dehors des prises de liberté qui sont pas forcément bienvenues, ben, c'est du copier-coller, donc pas vraiment de surprise. Mais au moins, la série le fait bien, même si encore une fois, cet épisode, c'est plan-plan, c'est assez ennuyeux la majeure partie du temps, parce que ça manque cruellement d'action. Mais enfin, enfin, après trois épisodes, on développe la relation et l'attachement entre Joël et Ellie. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai toujours du mal avec le jeu d'actrice de Bella Ramsey, mais en toute honnêteté, si, voilà, si je mets de côté le fait qu'elle ne ressemble pas à la Ellie des jeux physiquement, elle est plutôt bonne actrice et elle arrive à faire passer un petit peu de sentiment, un peu d'émotion. C'est quand même copier-coller sur le jeu, hein. C'est les dialogues à l'identique, à l'image de leur périple en voiture durant la première moitié de l'épisode, où justement on a cette scène que l'on avait dans les jeux, où on apprenait que Bill était gay, en tout cas c'était suggéré au travers d'un magazine porno gay. C'est exactement la scène copier-coller que l'on a dans cet épisode 4. En réalité, l'épisode 3 aurait pu être se contenter de cette scène, ça aurait suffi largement. Mais au moins, on voit du pays, on voit des environnements variés. On arrive dans la ville où il y a la Fedra et les rebelles anti-Fedra, où à la fin de l'épisode, Joël et Ellie vont tomber sur Henry et Sam. Et on nous a rajouté une petite intrigue avec l'actrice Melanie Lynskey qui joue le personnage inédit de Kathleen, qui est à la recherche de Henry et Sam et qui leur en veut à mort. Apparemment, ils auraient fait des dégâts dans ses rangs. Et donc Kathleen, c'est la chef d'une sorte de milice, de groupe qui s'appelle Nous le Peuple et qui lutte contre la Fedra, mais qui ne sont pas forcément des gentils pour autant, qui n'hésitent pas à abattre des gens désarmés comme ce docteur qui a mis au monde Kathleen elle-même et elle n'hésite pas à l'abattre froidement. Donc, des nouveaux personnages, on peut se poser l'intérêt, la question de l'intérêt de ces nouveaux personnages qui n'existent pas dans le jeu, sachant tous les personnages qu'il y a encore à développer pour le reste du jeu. Mais ce qui est intéressant dans cet épisode, certes, la course-poursuite, entre guillemets, même si c'est pas non plus, ça doit représenter 10 minutes maximum, la course-poursuite donc entre ces gens-là et Joël et Ellie pour se cacher dans les bâtiments, mais ce qui est surtout intéressant, c'est les dialogues entre Joël et Ellie. Joël qui parle à Ellie de Tommy, de son parcours, de leur parcours à lui, Tommy et Tess dans ce monde post-apocalyptique. Le fait que ben, elle ait été obligée d'utiliser son arme hein, qu'elle avait volée dans la maison de Bill à l'insu de Joël à la fin de l'épisode précédent, alors que Joël lui avait expressément ordonné de ne pas prendre d'arme. Cette arme, elle va l'utiliser pour sauver Joël d'une mort qui était quasi certaine, mais voilà, on comprend que Joël ne veut pas qu'elle utilise d'armes, non pas parce qu'il ne lui fait pas confiance, parce qu'elle sait utiliser une arme, mais il veut lui épargner d'avoir à blesser et ôter une vie humaine à son jeune âge. Mais il va se rendre compte que Ellie, elle a beaucoup plus de ressources qu'il imaginait et qu'elle a un passé plus trouble que ce qu'il imaginait. Donc il va finir par lui faire confiance et lui donner l'autorisation de se servir d'une arme. Et on commence à avoir un peu d'attachement, malgré les remarques blessantes de Joël qui lui dit que pour elle, il n'est qu'une, elle n'est qu'une, pour lui, elle n'est qu'une cargaison. Mais malgré tout, on voit qu'il s'attache à l'image de nombreuses séquences où ils dorment, tantôt dans des sacs de couchage, dans des forêts, tantôt sur des banquettes dans un appartement, dans un immeuble délabré, et où elle lui raconte des blagues avec son carnet de 100 jeux de mots. C'est plutôt sympathique parce qu'il y a un humour qui est bienvenu. En cela, ça ressemble aussi au jeu parce qu'il y a quand même de l'humour entre Joël et Ellie.
Ellie qui ressemble dans son caractère à la Ellie des jeux, même si, voilà, encore une fois, et c'est pas une discrimination, c'est pas méchant de le dire, mais elle ne ressemble pas physiquement, et j'avoue que j'ai du mal avec Bella Ramsey, même si c'est une bonne actrice, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Je vois qu'elle fait de son mieux pour coller à la Ellie des jeux, et je salue l'effort. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur son physique, même si ça compte quand même, parce que quand on fait un copier-coller, soit on le fait en entier, soit on le fait pas. Mais cet épisode était peut-être le plus intéressant des quatre, avec le deuxième épisode où on avait un peu plus d'action, où on avait des cliqueurs. Je remarque quand même que pour une série post-apocalyptique sur des infectés, il n'y a que dans le deuxième épisode réellement que l'on a eu des infectés avec des cris de cliqueurs. Et qu'au final, il y a très peu de morts, alors que dans le jeu, et là, ça parlera surtout aux joueurs, pour ceux qui découvrent la série, qui n'ont pas joué au jeu, ça va pas les déranger, mais dans le jeu, vous le savez, à ce moment-là du jeu, on a fait énormément de ravages parmi les infectés, les cliqueurs, les colosses, la Phédra et d'autres personnes. Et ici, dans la série, ben, malheureusement, ou heureusement, tout dépendra de votre avis, on n'en est qu'à quelques morts, on peut les compter sur les doigts d'une main ou des deux mains. C'est très plan-plan, c'est assez ennuyeux, malheureusement ça manque d'action. C'est vrai que l'épisode est assez court, 45 minutes avec le générique, donc en gros 43 minutes si on enlève le générique de début et de fin. Il n'y a pas de scène post-apocalyptique, il n'y a pas de scène post-générique, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de scène post-générique ou pré-générique, plutôt, je me suis trompé, il n'y a pas de scène pré-générique comme dans les deux premiers épisodes. Donc, bah, on n'en apprend pas plus sur les origines de l'épidémie, ce qui était quand même assez passionnant dans les deux premiers épisodes, justement, cette scène en 1968 dans le premier épisode et la scène à Jakarta dans le deuxième épisode. Dans le troisième épisode, bon, ben voilà, je ne vais pas y revenir, il n'y avait pas de scène avant le générique. Et c'est vrai que ce qui faisait le sel et l'intérêt des deux premiers épisodes, qu'on en apprenne plus sur l'origine de l'épidémie, bah, ce n'est pas le cas dans cet épisode. Ça aurait été bien qu'on ait des scènes qui enrichissent l'intrigue, mais c'est malheureusement pas les personnages inédits qui ne servent pas à grand-chose qui enrichissent l'intrigue. Clairement, c'est du copier-coller sur le jeu. Il y a des scènes à l'identique. Quand on s'infiltre dans les bâtiments, qu'on se cache de ces hommes armés, Phédra ou pas Phédra, qu'on essaye de récupérer du matos à droite à gauche. Ça manque encore un petit peu d'easter egg d'ailleurs à ce niveau-là. Ça manque de surin, ça manque de bandages, ça manque de briques, de bouteilles, de battes de baseball qu'on peut utiliser ou réutiliser, de tout un tas de choses à récupérer pour crafter. Mais bon, soit ça dérangera pas les non-joueurs, mais c'est très fidèle, il faut le dire, c'est très fidèle au jeu. C'est quand même le point positif de cet épisode, hein, après l'épisode de la semaine dernière qui était une parenthèse désenchantée. Là, pour le coup, ben, on revient au basique. Malheureusement, ça fait quand même 4 épisodes sur les 9 et il ne reste que 5 épisodes. 5 épisodes pour développer Henry et Sam. Et Henry et Sam sont plutôt très très bien développés dans le jeu, hein, sur de nombreuses heures. Et puis après ça, il va falloir développer Tommy, il va falloir développer d'autres personnages sur plusieurs saisons, automne, hiver, printemps. Et il ne reste que 5 épisodes d'environ 45 à 50 minutes, dont le dernier fera 43 minutes. Je me pose la question de savoir comment ils vont arriver à tout gérer si déjà dans cet épisode, ils inventent des personnages qui n'existent pas dans le jeu. Je ne leur fais pas confiance, bien évidemment. Je n'accorde plus ma confiance au showrunner depuis l'épisode de la semaine dernière où c'était catastrophique. Donc maintenant, j'attends de voir, de constater par moi-même. Je n'accorde pas le bénéfice du doute, mais en toute honnêteté, il valait mieux faire quelque chose de fidèle comme l'épisode de cette semaine que de perdre du temps comme la semaine dernière. C'est bien d'avoir fait plusieurs décors parce que ça me permet aussi d'avoir des moments de calme, des moments contemplatifs, parce que c'est ça aussi The Last of Us. C'est plein de décors en grandeur nature et c'est très bien d'avoir tourné dans des décors réels, dans des décors naturels, à l'image de ces forêts. C'est magnifique d'ailleurs, de tous ces moments où ils sont sur l'autoroute, où ils écoutent de la musique. Où ils essayent de rentrer dans des villes avec des barrages, où ils contournent. On voit plein de paysages différents post-apocalyptiques. On sent qu'il y a du budget dans cet épisode, hein, contrairement à la semaine dernière où il y avait très peu de budget, malheureusement. Ça restait juste un sentier, une maison, un garage. Là, pour le coup, on voit du pays, on se dirige avec une carte, ça ressemble au jeu, c'est plutôt ambitieux visuellement, c'est fidèle au jeu.
C'est pas exceptionnel parce que pour l'instant, je vois pas vraiment l'intérêt de cette adaptation, étant donné que bah, c'est du copier-coller et que quand c'est une adaptation libre comme l'épisode de la semaine dernière, c'est hors sujet. Mais soit, au moins, on n'est pas perdu. Si tous les épisodes étaient comme ça limiterait les dégâts. J'ai pris plutôt du plaisir à suivre les aventures de Joël et Ellie dans cet épisode, mais j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'action et surtout bah, du post-apocalyptique avec des infectés, des claqueurs, des colosses et plein de tas de gens méchants qui sont à leur trousse et le sentiment de course-poursuite, de danger que je n'ai pas ressenti depuis le tout début de la série. C'est ça que j'attends maintenant pour les 5 prochains épisodes. On verra bien la semaine prochaine, vous verrez la note. Bon, la note sera quand même plutôt très bonne, hein, on va pas se mentir, je lui mets la moyenne largement à cet épisode, contrairement à l'épisode 3. Cet épisode est quand même ce qu'on a eu de mieux depuis le tout début de la série, il y a presque un mois maintenant, hein, puisque ça fait 4 semaines que l'on voit la série. Oui, cet épisode est le deuxième meilleur des 4 épisodes avec l'épisode 2. Mais il faut se bouger, il faut faire plus d'action, parce qu'on est dans un monde post-apo, avec du danger, avec plein d'armes à feu, avec plein de morts. Et j'ai pas trop ressenti ça depuis le début, donc c'est bien, il y a du mieux, mais maintenant il faut quand même passer à la vitesse supérieure. Voilà mon avis sur cet épisode, n'hésitez pas à me donner le vôtre. Inutile de revenir sur l'épisode de la semaine dernière, vous savez ce que j'en pense, j'ai fait ma vidéo et mon live, je ne répondrai pas aux commentaires sur l'épisode 3. On passe donc à l'épisode 4, et puis vous me donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et comme d'habitude, les rageux qui viennent pour laisser des commentaires désagréables seront bloqués. Ça, je l'ai déjà assez répété, donc je ne vais pas le répéter chaque semaine. Merci d'avoir regardé, ou plutôt écouté cette vidéo sous forme de podcast. On se retrouve demain pour une autre critique de film, pour le coup, et mercredi soir pour le live de débriefing avec les copains youtubeurs, ou pas youtubeurs, et merci à vous, passez une bonne semaine entre-temps, un bon début de semaine, un bon réveil. Ciao tout le monde, portez-vous bien.